Vous souhaitez intégrer la licence d'histoire de l'art et de l'archéologie à l'université Bordeaux-Montaigne. L'histoire de l'art et de l'archéologie sont des disciplines d'une grande richesse. L'étude des œuvres d'art et des traces matérielles que l'histoire nous a laissées permet d'aborder tous les enjeux de la société actuelle, comme ceux des époques passées et des civilisations les plus reculées. Les modes de vie, la politique, l'amour, la beauté, la nature, les grands mythes, la religion, les combats sociaux, le pouvoir, nos rêves et nos utopies. Il n'est pas un domaine que l'histoire de l'art et l'archéologie n'abordent. Unique en France, notre licence propose trois domaines d'enseignement. L'histoire de l'art, l'archéologie, mais aussi l'archéométrie. Mais naturellement, la première question que vous vous posez est celle des débouchés et des métiers auxquels ces formations conduisent. Le marché du travail en histoire de l'art et archéologie est aussi concurrentiel que dans d'autres domaines. Mais les métiers sont nombreux, enthousiasmants et d'une grande diversité. On pense évidemment en premier lieu au métier de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais nos enseignements débouchent aussi sur la conservation et la régie des œuvres dans les musées, le marché de l'art, les métiers liés à la médiation de l'art, les métiers liés au tourisme, l'édition et la presse, l'archéologie préventive, la recherche et les travaux dans des laboratoires privés ou publics liés aux sciences archéologiques. Les études d'histoire de l'art et d'archéologie s'inscrivent dans le format européen du LMD pour licence, master, doctorat. Majoritairement, nos étudiants sont issus d'un bac littéraire, mais nous sommes ouverts à tous les profils dont la diversité enrichit chaque promotion. Notre licence comprend deux parcours distincts sur 3 ans, histoire de l'art d'une part et sciences archéologiques d'autre part. L'entrée n'est pas sélective, mais le parcours archéologie est limité à 80 étudiants pour des raisons liées à certains enseignements pratiques. Au terme de ces 3 années, selon le parcours que vous avez suivi en licence, vous pouvez accéder au Master Histoire de l'Art, au Master Patrimoine et Musée ou au Master Archéologie Sciences pour l'Archéologie. Enfin, nous proposons un troisième cycle doctorat dans chacun de nos 3 domaines d'études, Histoire de l'Art, Sciences archéologiques et Physique des archéomatériaux. Comme dans tout l'enseignement supérieur, nos formations sont adossées à des unités de recherche auxquelles sont rattachés tous nos enseignants-chercheurs. En histoire de l'art et archéologie, l'Université Bordeaux-Montaigne comprend 3 unités de recherche. Le Centre François-Georges Parizet, qui rassemble des enseignants-chercheurs, historiens d'art, travaillant sur une vaste période allant du Moyen-Âge à nos jours. L'unité mixte de recherche Ausonius dévolue à l'étude des espaces, des sociétés et des cultures depuis la proto-histoire européenne jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Enfin, l'unité mixte de recherche IRAMAT CRP2A sur les archéomatériaux qui apporte un éclairage interdisciplinaire sur les modalités des peuplements humains, sur l'usage des ressources dans les sociétés anciennes, sur l'évolution des cultures et des techniques et sur l'histoire de l'art. Le parcours Histoire de l'art vous permettra d'acquérir un socle de connaissances fondamentales et de mieux comprendre ces traces matérielles des sociétés humaines que l'on désigne sous le terme d'art. La discipline est abordée en suivant le fil de la chronologie à travers les 4 périodes reconnues du monde occidental : antique, médiévale, moderne et contemporaine. Vous serez ainsi amené à analyser une grande diversité d'œuvres, à vous interroger sur leur nature, leurs fonctions ou encore leur signification dans un contexte historique et social donné. Sur le plan théorique, la licence vise l'acquisition d'une culture générale solide et complète, en esthétique comme en histoire de l'art. Privilégiant une perspective pluridisciplinaire, la formation s'ouvre ainsi aux autres domaines d'études et demeure sensible aux multiples approches de l'activité artistique, littérature, anthropologie ou encore sociologie. Au cours de la première et de la deuxième année de licence, vos enseignements fondamentaux en histoire de l'art seront complétés par des enseignements d'ouverture. Pour ceux-ci, vous pourrez ainsi choisir entre art plastique, histoire, lettres modernes,
lettres classiques, philosophie, sciences archéologiques ou encore archéométrie. En deuxième et troisième année, la formation vous conduira enfin vers une pré-spécialisation liée aux enseignements de master proposés à Bordeaux-Montaigne. Vous pourrez ainsi choisir d'approfondir certains aspects de l'histoire de l'art, du patrimoine ou encore de l'archéométrie. Mais qu'est-ce que l'archéométrie ? C'est une discipline qui s'appuie sur les méthodes scientifiques pour répondre à des problématiques d'études communes à l'histoire de l'art et aux sciences archéologiques. Quant au parcours sciences archéologiques, il vous offrira l'opportunité d'étudier les sociétés du passé au travers des éléments matériels qu'elles nous ont laissés en héritage. Son champ d'étude est extrêmement varié et s'étend des gigantesques monuments de l'Antiquité jusqu'aux traces les plus discrètes de l'activité humaine. Il se caractérise par un processus de recherche qui, du chantier de fouilles au laboratoire, de la truelle au microscope à balayage électronique, présente une diversité méthodologique remarquable. Ce parcours d'études est une formation des plus complètes à l'échelle nationale. Dès la première année, vous suivrez des cours sur l'archéologie protohistorique, l'archéologie grecque et romaine, l'archéologie de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, et prochainement, ceux d'archéologie moderne et contemporaine. Votre formation sera complétée par des enseignements d'ouverture, histoire, histoire de l'art, et des options, langue ancienne et anthropologie biologique. En dernière année de licence, l'enseignement, d'abord divisé en aires chronoculturelles, sera majoritairement consacré aux sciences archéologiques. Archéologie préhistorique, bioarchéologie ou encore paléo-environnement. Enfin, pour compléter votre parcours d'études, vous réaliserez un stage de fouille de 6 semaines minimum qui sera validé lors de votre dernière année. Ces différents parcours vous permettront d'acquérir un socle de compétences transversales communes, recherche et ressources documentaires, langue française appliquée, langue vivante étrangère et compétences numériques. Depuis mars 2020, nous avons appris, comme nos étudiants et certainement vous-même aussi, à travailler à distance en visioconférence. Nous avons organisé nos examens, nous avons délivré nos diplômes. Mais en septembre prochain, c'est bien dans nos locaux rénovés, en face-à-face pédagogique, que nous espérons vous accueillir pour travailler ensemble, apprendre à vous connaître, échanger, répondre à vos questions et vous accompagner dans votre parcours de formation. À très bientôt.